Ah, so say comics, eh? Yeah, comics. We gotta back down the list, don't we? Cuivre, 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 cuivre. Merci beaucoup, monsieur, professeur, directeur. Ok. Oui. Je m'appelle oui. Béa Chidi Carole. Je suis préfet et chef d'établissement de l'Institut des Beaux-Arts. Ici, aux Beaux-Arts, nous avons 5 ateliers. Hein, 5 ateliers. Nous avons la céramique, le métal battu, la sculpture, la peinture et la décoration. Mmh. Hein, ce sont les 5 ateliers hein, qui sont ici à l'Institut des Beaux-Arts. Okay. Voilà. Et si vous voulez avoir quelques images. Combien d'élèves étudient ici? Et ici, en tout cas, nous avons beaucoup d'élèves. Beaucoup. 200, 300. Mais c'est plus que ça. Plus. Mais ah. Ça arrive parfois jusqu'à 1000 élèves. 1000. Et... Les doyens ici. Ah. Je m'appelle Papa Tezo. Je suis professeur d'atelier ici depuis 1962. Donc je suis un vétéran. Je suis là pour la formation des jeunes artistes. Maintenant je m'occupe des élèves de finalistes 6e année sculpture. Alors au moment où nous parlons, je suis en train de faire un portrait en piste d'un papa qui est décédé et son fils est venu me confier ce travail. C'est ce que je suis en train de faire, suivant la reproduction d'une photo. Maintenant, je suis à l'étape du moulage. J'ai moulé, je suis en train de séparer. Après, je vais couler. Ah. Enfin, en grosso modo, je crois que c'est possible de regarder. Hein? Hein? Ah. Ça, c'est le visage dans le sens inverse. C'est le moulage. On a fait le modélage, on a moulé, et ça c'est le négatif. Après, nous allons encore couler le ciment en blanc en matière définitive. Aha. Ah. Merci monsieur, okay, merci okay, professeur. Okay. Hein. Bonne journée. Hein. Merci pareillement. Je regarde si on peut. C'est très bon. Hein. Ce sont des travaux des élèves de 6e, hein, des finalistes. Et pourquoi il est comme ça les... Ça, c'est l'armature. Ça, c'est pour tenir l'argile.
Sans l'armature, ça ne peut pas tenir. Ah. L'armature ici, c'est comme le squelette pour nous les hommes. Ce sont les os qui détiennent la chair. C'est ça. Vous voyez partout, il y en a. Partout. Ah. Combien de jours les élèves travaillent pour la tête Cela dépend de chaque élève. En principe, c'est 2 semaines. Deux semaines. Et l'argile, c'est possible. L'argile se maintient. Si tu prends la plastique, c'est possible de travailler deux semaines. Mais tu d'abord une loque mouillée pour conserver l'humidité. Mmh. Et après, au-dessus, on met le papier plastique. Aha. Vous voyez que partout, il y a du papier plastique. C'est pour retenir l'humidité. Et que l'argile, ça ne peut pas se sécher. Ok. Ah. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Lukeba Nantsingi Jovial. Je suis l'élève de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait l'architecture d'intérieur. Vraiment, ce qui m'intéresse ici dans cette école, d'abord l'environnement de l'école et puis la manière dont on nous enseigne. C'est vraiment supérieur. J'adore mon Institut des Beaux-Arts. Ok. Bonne sortie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.